une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouveau tuto. Ce tuto sera comment faire des belles miniatures gratuitement sans logiciel. Alors on commence tout de suite. Alors déjà, il faudra aller sur Google et taper ce que vous voulez. Le thème de votre vidéo, je sais pas moi, Minecraft, voilà. Hop, je vais dans images. Et vous prenez l'image que vous voulez. Bon, je vais pas prendre du Minecraft, on se retrouve quand j'aurai trouvé une belle image. Et donc on se retrouve, j'ai retrouvé enfin ma photo, j'ai cherché image trop stylée pour fond d'écran. Et je suis tombée sur ça, c'est pas pour un fond d'écran, c'est pour une miniature, mais regardez, un Illuminati moustache. Alors vous faites, hop, enregistrer l'image sous. Vous allez dans vos dossiers, machin. Là, je change. Image, tuto, sbub. Image, tuto, sbub, sbub. Voilà. C'est bon, enregistré. Et après, vous allez taper pixel R. Et vous allez tomber sur ça et vous cliquez sur Pixel R Express. Il y a une autre sorte de Pixel R, mais c'est un espèce de Photoshop. Et Pixel R est gratuit, c'est pour faire des miniatures en ligne en fait. Et vous pouvez, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire. Allez, vous allez cliquer sur Browse. Ça va vous demander dans vos dossiers. Moi je vais faire... Je sais même pas où je l'ai mis. Elle est là. Image, tuto, zbub, zbub. Vous voyez? Et ici, vous pouvez un petit peu zoomer pour faire vos trucs. Donc voilà, c'est tout simple en fait. Et après, on va commencer par le plus important, le texte. Pour écrire des choses. Genre, moi je prends souvent... Ah, c'est où? 0 and 0 is. Allez, je trouve qu'elle est classe. Et puis là, je vais faire ma miniature. Vous écrivez comment. Je vous conseille de faire un mot à la fois, comme ça vous pouvez pas les mettre dans le même sens, machin. Vous le mettez comme ça, vous le mettez à la place que vous voulez. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez changer la couleur. En cliquant ici pour choisir votre couleur, en cliquant ici pour si c'est foncé, clair, voilà. Je vais prendre en bleu. Ah ben non, ça va pas avec. Allez, c'est mini en orange. Après, vous devez faire appli absolument. Donc voilà. Après, en fait, ça vous remet à là-bas. Après, vous devez re-choisir votre truc et tout. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Comment faire? Et quand c'est des petits mots comme ça, vous pouvez les... Comment dire? Vous pouvez les... Vous pouvez les rapetir comme ça. En plus fin, avec la petite boule avec un trait, changer de truc. Et moi, je vous conseille de pas d'espacer, là, si vous prenez cette image, d'espacer pour faire un truc à la fin. Hop, on continue. Grunge. C'est grunge, je trouve que c'est les plus belles écritures. Hop, là, je bâcle un peu le truc, c'est bon. J'ai une vidéo à faire. Et moi, je vous conseille de mettre dans un peu tous les sens parce que ça rend bien. Ça redonne un peu de... Je sais pas. Un peu de... Une touche. Poétique. Oh, oh, trop mignon. Comment faire une belle miniature sans logiciel.
ciel. Mais sinon, vous pouvez les faire un peu dépasser par-dessus les autres. Il faut pas le mettre trop en bas parce que sur YouTube, ça prend pas totalement l'image en plein. Et ça, c'était pour les tests. Pour les textes. Après, il y a les stickers. Les stickers, c'est simple. En fait, les stickers, c'est. Vous pouvez coller des choses par-dessus. Accessoires. Je sais pas moi. Porte. Il voudrait des lunettes, la petite moustache. Eh ben, vous lui mettez des lunettes. Après, il y a des trucs kawaii. Il y a des. Et cancel si vous trouvez. Vous dites. Oh non, c'est pas la peine. Après, il y a comique, c'est pour faire des bulles. Enfin, soit ça, soit des petites bulles pour pouvoir écrire votre texte dedans. Ça, c'est bien. Donc voilà. Après, il y a les bordures. Les bordures, c'est genre ça pour faire comme une page déchirée ou des trucs comme ça. Pas moi, je fais pas trop ça. Sinon, il y a ça. Ça aide vraiment. C'est pour faire des. Comment on dit? Genre, je mets ça. Et je prends ça. Et pff, ça rajoute par-dessus l'image. Ça rend des trucs hyper classe. C'est vraiment trop stylé. Par contre, il y a des trucs qui marchent pas trop. Non, pas flower. Juste ça. Hop, avec les petits oiseaux, machin. Sinon, vous pouvez faire des effets, mais c'est vraiment trop. Gardez ça, attends. Vous voyez? Ça fait très moche, les effets. Ils sont pas. Bon, ils sont bofs quand même. Et ici, c'est bien. Ça, c'est pas trop mon truc, je connais pas. C'est hyper compliqué à utiliser, mais vous pouvez faire Add Image, Browse, et vous rajoutez une photo. Ah, il est trop grand mon troll. Et voilà, vous voyez, c'est tout simple, appli. Et après, vous faites votre miniature, prenez le temps que vous voulez. Et moi, je vous dis comment faire juste après. Il faudra faire cliquer sur Save en haut à gauche. Et après, vous la renommez comme vous voulez. Moi, je vais faire miniature tuto, voilà. Et surtout, là, c'est écrit 85, mais il faut le mettre à 100 si vous voulez une bonne qualité, parce que sinon, ça fera un truc dégueulasse en pixels. Et ça, je vous le conseille pas. Donc voilà. Hop, on passe. Et vous cliquez sur Save, ça va aller dans vos dossiers. Et tic, vous faites enregistrer. Et là, je vais dans mes dossiers. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. C'est ici. Sauf que moi, je ne peux pas m'abonner à ma propre chaîne. De liker la vidéo, de partager. J'ai des nouveaux amis sur le côté. Vous voyez les poteaux. J'en ai rajouté trois. Il y en a un qui n'a pas encore sorti de vidéo, je crois. Mais il va bientôt en sortir une. Allez voir leur chaîne. Et écrivez, genre, dans leurs commentaires. Salut! Salut, je viens de la part d'Elmasco. Ils sauront que c'est moi. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Elmasco. Salut!